je réalise qu'au bout de tous ces mois et même de ces années passées sur la route, j'ai été porté vers ce moment, à cet endroit précis, à ce temps passé à découvrir ce qui est vraiment important pour moi. Le woofing permet de stimuler trois éléments essentiels à une vie heureuse. Accomplir des choses difficiles et vraies, se sentir utile et responsable, et faire partie d'une deuxième famille aux intentions communes. Les chèvres m'ont appelé, et je suis allé vers elles. D'après ce qu'on dit, ce sont les animaux les plus anciens avec qui l'homme a travaillé main dans la main. Peut-être est-ce parce que les chèvres ont des personnalités très uniques et une psychologie qui les rend attachantes et intelligentes. Les chèvres savent lire à travers nous, elles savent percevoir la frustration et répondent à la sérénité. Sont aussi curieuses et souvent menées par leur sens très aigu des nouvelles saveurs. Comfy. En face du mont Rainier dans l'état de Washington, tous les matins je sais pourquoi je me lève. Sans vraiment savoir à quoi m'attendre. T'es une maman. Peut-être qu'une chèvre a mis bas. Que se passera-t-il pendant que nous trairons? Qui aura le plus d'attention aujourd'hui? Les chèvres? Les chiens? Les canards vont-ils mettre du temps à rentrer à l'intérieur? Tous les soirs en allant me coucher, après une journée d'émotions pures, de moments ridiculement simples et vrais, je sais pourquoi je fais tout cela. Même s'il est difficile pour moi d'y mettre les mots. Regardez cette vue. Et ce n'est pas que des animaux que j'apprends. Nous jouons de la musique, nous lisons des livres, nous explorons du pays et nous vendons le lait et les œufs au marché. Je critique souvent les villes, mais j'ai pris conscience que sans les villes, une ferme ne peut pas vraiment exister et durer. Sans ceux qui sont prêts à payer le prix de consciemment bien se nourrir, un fermier ne peut pas vivre de ce qu'il fait. Et c'est ainsi que l'on s'éveille. Chaque jour, cultiver son sens de la difficulté, sa curiosité pour des nouvelles choses,
essayer d'être meilleur demain. Même si demain sera pareil qu'hier, demain m'apprendra 1000 choses nouvelles. Et si on avait seulement besoin de ça ?